Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau quiz du WFC. C'est le sixième déjà gros quiz du Winamax Football Club aujourd'hui, quiz exceptionnel. Puisqu'on a la chance de recevoir Daniel Riolo et Gilbert Bribois de l'After Foot, ça sera les deux capitaines d'équipe, ça va être incroyable. Le choc des générations en direct sur notre plateau. Évidemment, le quiz ne changera pas plus que ça. Les jeux seront toujours les mêmes. Très, très content de vous proposer ce nouveau quiz. Les amis, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde qui est déjà connecté. L'annonce a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est très content de vous proposer ce quiz. Heure inhabituelle et aussi jour inhabituel. Le Mac, du coup, sera demain. Demain à 13h, le Mac du WFC. Priorité à ce gros quiz avec plusieurs thématiques. Voilà les amis. Je vous ferai un petit rappel des jeux dans quelques secondes. On laisse tout le monde arriver tranquillement. Il y a Adriano, le classique en approche. Salut à Adrien, salut à Coach Blais, salut Isaac, Youssef, Kenzie également qui sont là avec nous. Merci beaucoup les amis, il y a déjà beaucoup de messages. Et oui, j'ai récupéré ma voix par rapport à hier. Je vois Daniel qui est en train de faire des étirements, qui a mis sa capuche. Bon, on va pas traîner hein, les amis, on va envoyer le jingle. La composition des équipes, c'est parti. Et oui, parce que le plateau est vide, évidemment. Gilbert et Daniel seront les capitaines d'équipe. Alors, je sais que vous avez hâte de savoir avec qui sera Walid, avec qui sera Elton, Tidiani et Sofiane. On va accueillir le premier capitaine d'équipe. Priorité à celui qui revient probablement d'un match de tennis. Peut-être perdu, on va lui demander. Notre ami, notre capitaine d'équipe, le premier capitaine d'équipe, je vous demande d'accueillir Monsieur Daniel Riolo. Viens là, Daniel, viens là, viens là, viens là. Daniel, viens là, viens là. Mets-toi à côté de moi. Tu viens, viens à ma droite, viens à ma droite, Daniel. Comment ça va, Daniel? Ça va, toi, tout va bien. Ouais. Je te sens tendu. J'ai oublié les lunettes. Mais c'est pas du poker. Ça, c'est ma tenue de poker, c'est en fait. C'est pas du poker. Hein. Oh, là, c'est que du football. Très bien. Que du pied-ballon. Allez. Comment ça va? Bien, très bien. Je suis pressé, je suis concentré depuis ce matin. T'as des ambitions dans ce jeu? J'ai pas joué au tennis aujourd'hui, ce qui est très rare pour moi. T'es sûr? Donc, je sais pas, il y a des informations qui circulent, mais en même temps, il faut voir qui sont les gens qui font circuler les informations. Oui, c'est vrai. Pareil, tu connais un mec qui s'appelle Walid? Il est là, visiblement. Ouais, c'est un mec qu'il faut jamais écouter. D'accord, bon. Tu l'écoutes quand même beaucoup sur l'after? Je sais pas, il passe à un horaire. Je maîtrise pas les horaires qu'il y passe. Il faudra demander à Gilbert, c'est lui qui règle les horaires, tout ça. Bon, on va faire ça. C'est lui qui fait les recrues. On verra avec le chef. C'est vrai qu'il y a deux recrues du WFC là, dans l'équipe. Là, c'est Gilbert qui gère. Moi, je les connais pas, ces mecs-là. Très bien. Quiz, t'es bon? Quiz, ça... Ouais, alors, honnêtement, moi, je pensais qu'on allait être Gilbert et moi contre le reste du monde. Non, c'est pas rigolo. Oui, c'est sûr que ça aurait pas été rigolo pour vous, ça, oui. Et du coup, tu seras face à Gilbert. T'as quand même envie de le taper? Non? Plus les autres. Ah d'accord, bon bah écoute, on va faire au mieux. Si t'es avec nous aussi, c'est qu'on va présenter ce livre, KO Football Club, co-écrit avec Adelkrim Branin, aux éditions Ego Sport. Très belle maison d'édition, je dis pas ça parce que j'ai écrit un livre chez eux. Mais, on s'en souvient tous. Ouais, ouais. Tu l'avais reçu, t'étais content? Franchement, il était bien. Bah oui, il était bien. Merci Bravo. Beaucoup, Daniel. Bravo. Mais ça va, ça se vend pas mal en plus. Oui, ce qu'on appelle un bon démarrage. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, vous pouvez le retrouver évidemment. Partout dans toutes les librairies. On dit sur Amazon aussi, t'es pas fan de... Oh non, moi je suis pas Blanche Gardin compatible, aucun problème. Tu peux l'acheter sur Amazon, tu peux l'acheter sur tout ce que tu veux. Ça va. Tant qu'il est acheté. Hein. Moi je suis pas anti-oseille, hein. Très bien. Pas de soucis. Hein. Daniel, tu seras capitaine, le bleu ou le rouge? Le bleu, évidemment, le rouge. Le bleu de Strasbourg. Le rouge des communistes, j'en veux pas. Moi. Allez, je te laisse choisir, à gauche ou à droite du coup? À droite du coup, ouais. On va accueillir le deuxième capitaine d'équipe. C'est le présentateur que vous aimez tous. On va quand même le présenter, même si on n'a pas besoin de le présenter. Monsieur Gilbert Bribois est avec nous. C'est que du décor. Hein. Comment ça va, Gilbert? Ça va et toi? Ça va très bien. T'as des ambitions dans ce quiz? Bah, Daniel a raison. Franchement, les gars... Croyez quoi, quoi? Nous, on voulait vous taper. On était là pour vous mettre la misère. Vous dites, choc de génération, genre, ça y est, nous, on fait venir les vieux, on va leur mettre. Non, et là, vous avez peur, en fait. Ah non, moi, c'est ça l'histoire. Moi, de toute façon, je suis présentateur. Flippez, comme ça. Moi, je suis présentateur. Je gagne pas, je perds pas, moi. Ah, c'est encore un coup de Walid. Donc voilà.
Gilbert aussi, bah, le présentateur célèbre de l'Afterfoot. Et aussi cette revue de l'After. Revue de l'After, bien sûr. Disponible. On va mettre le petit voilà. Visuel, les amis. Ce dernier numéro qui était dédié au sexe dans le football, le Sex Football Club. Donc ça va, ça se passe bien la revue aussi. Alors le numéro sur le sexe a très bien marché. Comme par hasard. Ouais, je sais pas pourquoi. Mmh. Et il est toujours disponible effectivement sur le site afterfoot.media. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez l'acheter. Walid et Sofiane à RMC, ça va, ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Walid et Sofiane, c'est des révélations. Ils ont été bien formés ici. C'est pas faux. Ouais, et puis Walid, il est toujours dispo. Là, on l'a foutu à minuit et demi. À partir du moment où il est payé, il est toujours dispo. Minuit et demi, libre antenne, samedi soir, il est toujours là. Tant qu'il y a une pige à gratter, il sera toujours là. Il a raison. Même en béquille. Même en béquille. Gilbert, je te laisse. Je te passe ce brassard rouge, ça va, c'est pas trop. Bah, j'ai pas le choix. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je te laisse te mettre à gauche et du coup, tu seras capitaine d'équipe face à Daniel. Donc, je vous expliquerai les jeux tout à l'heure. Ce qu'on va faire, un petit chifoumi rapide pour savoir qui prend la main pour composer son équipe. Très important ça. Le micro, c'est un faux micro. C'est uniquement du décor. C'est que du décor. Et tout de suite, il y a des diversions, là. Je me disais aussi, c'est pourquoi on m'a fait installer le micro, là. On fait un petit Shifumi en 1. Voilà. Pas de puits. Évidemment, il n'y a que Elton Mokolo qui utilise le puits dans le Shifumi. C'est bon? C'est bon. Mais pas avec la voix. Non, Shifumi. Ah, oui. Avec les mains. Shifumi, quoi. Vous êtes prêts? Shifumi. Ah, les ciseaux se cassent sur la pierre. Exactement. Allez. T'as une stratégie dans ta composition d'équipe? Est-ce que t'as déjà été soudoyé par des candidats? Non, mais ma stratégie, c'est je prends les bons, hein, je prends pas les mauvais. Mais tu sais qui sont les bons des mauvais? Ah, j'ai des informations. Ah, d'accord. Moi, okay. Surtout une information sur celui qu'il faut pas prendre. D'accord. Est-ce que ça commence par So et ça finit par Fian? Écoute, je sais pas. Ok. Daniel. À côté de ça, il est sympa à côté. Ah, Sofiane, très sympa. Ouais, genre hors quiz. Ah, très sympa. Ouais. Très sympa. Mais figure-toi qu'il a plus, il a deux, il y a quand même des victoires. Hein, dans ah bon? Ah bien sûr. On m'a dit. Il est deuxième à la race. Il est deuxième, Sofia. Ah bon? On m'a dit. Après, il gagne grâce aux autres. De victoires, on m'a dit. Il gagne grâce aux autres, mais. Il s'est retrouvé par hasard. Voilà. Tu sais, il faut toujours un bon compagnon dans une bien équipe. Sûr, bien le sûr. Le gars qui apporte les jus de fruits. Exactement. Bon, c'est lui. C'est lui. Il est chaud. Il veut y aller. Tu choisis. C'est qui ton premier? Walid. Walid, on va accueillir Walid. Avec plaisir, il rêve de jouer avec moi. En surprise. Salut Thomas. Ça va Walid, ça va copain? Bonjour à tous, salut Gilbert. Il n'y a pas un quiz cinéma, non? Non, il n'y a pas de quiz. Thomas Cassi, meilleur film de tous les temps, Gilbert. Et tu le sais très bien. Parce que le cinéma, c'est avant tout des émotions. Et merci Walid. Très heureux, j'imagine, de rejoindre la team Daniel. Oui, très heureux, on avait manigancé quelque chose. Pour l'instant, le plan est en marche. Voilà, tout se passe comme prévu, comme dirait l'autre. Très très content parce que je vais donner une victoire à Daniel qui a perdu ce matin. Qui a pris 1 et 3 face à un 15-3. Sur une terre battue un peu humide. Attention. Je veux bien perdre, mais il ne faut pas me faire perdre contre n'importe qui. Ouais, c'est pas faux. D'accord. À 15-3, je ne me déplace même pas. 15-1 15-1, ça. On a eu Clubhouse du TC16, on nous a dit 15-1. On reste là-dessus. C'était pas du tout. Allez, Walid, je te laisse. Je jouais en déplacement. T'asseoir à côté de moi le micro. T'asseoir à côté de Daniel. Gilbert, t'as eu des informations, toi, sur la qualité des candidats ou pas? Alors, la problématique, c'est que je vais miser sur ce que je connais. C'est-à-dire que je connais pas les connaissances football de tout le monde. Mm-hmm. Et donc, je sais que Sofiane, évidemment, il est imprenable. Mm-hmm. Ouais, ouais. Donc, forcément. Sofiane? Sofiane, incroyable. C'est la première fois qu'il est choisi en deuxième. Ah, c'est fort. D'habitude, il choisit en premier ou en dernier? En dernier. Je sens un peu d'émotion. Je choisis en deuxième, d'habitude, t'es au fond de la classe. Ouais, moi. Pourquoi t'es choisi en dernier, d'habitude? Qui est pas bon? Ton choix. Non, même bon, hein, c'est top. Ah, mais t'es vraiment pas bon? Non, non, si, je t'inquiète pas. Alors, par contre, c'est le seul qui révise avant les quiz. Non, vraiment, si, t'inquiète pas. Ça va le faire. Il y a une grosse pression, c'est-à-dire que je joue deux emplois en un. C'est pas faux. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Je te laisse t'asseoir. Allez, go, c'est parti. C'est à moi? C'est à toi, Daniel. Bah, écoute, bon, j'imagine que la stratégie est en marche plus que jamais. Non, on va boucler l'équipe. La MSN est en marche. Allez, on va prendre Elton. Elton Mokolo, deuxième candidat choisi par Daniel.
Alors très, très sérieuse. C'est son vrai nom ou c'est un pseudo genre de vedette un peu Ethan Mokolo, non, non, non. Après, c'est son nom qu'il a dans... Fait stylé, hein. Et ouais. C'est son nom qu'il a au Badaboum tous les soirs. Non. À 2h du matin. Ouais. Je suis rentré à 3h du matin. C'est là. À l'arc, à l'arc on l'appelle ouais, le quiz. Le Mock. Ouais. Il y avait le quiz, donc je suis rentré à 3h du matin. En silencio. En silencio, on l'appelle le Mock. Grosse équipe, là. Ah ouais, c'est une très belle équipe. Je t'ai entendu. T'as toujours zéro victoire. Non, comment ça, j'en ai deux. Une victoire en 5 quiz, c'est vrai que c'est pas mal. Non, alors faut dire un truc parce que Gilbert et Daniel ne sont pas au courant. Cette année, tout est fait pour qu'on nous fasse perdre. Ah, d'accord. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un triche sur le dernier quiz. C'est vrai. Tidiane avait triché la dernière fois, donc à chaque fois j'ai été défavorisé. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on triche ici. Perds pas d'influx, perds pas d'influx à revenir sur le passé. Pose le micro, viens avec nous, pose le micro. C'est le présent qui compte. Et du coup, évidemment, on est bien. Tout va bien se passer. Pour compléter l'équipe de Gilbert, on va accueillir tout de suite. Monsieur Tidéniembo. Très bon choix. Ouais. C'est le panic buy un peu, non? panic buy, pas le mercato. Très bon. Comment il va? Très bien. Combien t'as de victoires, toi? 3? 3 sur 5? 3 sur 5. Pareil que Wally. Ouais, ouais. Ouais, bon, ah, on se bat pour gagner la tête de la règle. Non, t'en as deux, 3. Non, non, il en a 3 aussi. J'en ai 3. Ah, eh oui. Donc il y a la tête de la race qui va jouer. Exactement. En effet. Une tête à deux têtes ou une tête à deux têtes. Une tête à une tête. Ça dépend de ce qui va se passer aussi pendant le quiz. Exactement. Très content de rejoindre l'équipe rouge, qui est aussi la couleur qui fait peur aux adversaires. C'est pas faux. Hein. Exactement. Ça ne vous aura pas échappé. Donc, exactement. Moi, ça m'a complètement échappé. Je laisse t'asseoir à droite de Gilbert. Et d'habitude, vous avez d'autres guests ou... Oui, ça dépend. Oui. Des fois, c'est entre nous. On a eu Bruce et Braque. On a eu Bruce et Braque. On a eu qui d'autre? Bruce et Braque. On a eu Willow. On a eu... Et pour Bruce, comment vous avez fait pour le quiz? Vous avez fait un spécial Messi? Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, en fait. Ouais. On a eu Bruce et Braque, mais Bruce n'est pas venu. Donc, on a eu que Braque. Ce Bruce, il faut faire un quiz sur Messi. Un peu le FC Nantes, et puis t'as bouclé. Donc, c'est le premier quiz sérieux, en fait. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, je vous rappelle les règles tout de suite ou on fait jeu par jeu? On fait jeu par jeu. Non, vas-y, enchaîne. On est bouillant, là. Donc, on va commencer par le premier jeu. C'est le James Milner, 10 questions chacun. On y va, top, c'est parti. Alors, pour vous expliquer pourquoi le James Milner, en fait, on a un petit running dans WFC, c'est que pour nous, James Milner, c'est juste un mec qui court, qui fait que de s'échauffer, donc voilà, on est sur un petit échauffement. 10 questions chacun. C'est quoi, c'est rapidité, c'est... Rapidité, plus ou moins. Il y aura, vous avez 1 minute 30 pour répondre à 10 questions. Ah, okay. Surtout... La première réponse qui m'est adressée, la valide. Si elle n'est pas bonne, on passe à la suivante. Vous avez le droit de passer les questions pour y revenir après. D'accord. Mais par contre, vous avez le droit de vous consulter. Beaucoup de questions. Évidemment, vous avez le droit de parler entre vous, dire. C'est chacun dans son coin, Gilbert. On va commencer. Et si vous avez la réponse. Donc, ce sont des questions qui sont plus ou moins liées à l'actualité du mois d'avril. Ouais. Voilà. On est bon. Et pour savoir qui va prendre la main, je vous propose, évidemment, on est sur Winamax. Alors, qui va prendre la main dans tous les jeux? Un petit calcul de cotes. Ok. Faites un calcul dans votre tête et l'équipe la plus proche prendra la main pour tous les jeux. Comme la balle de 3, quoi. Exactement. Pour tous les jeux de ce quiz. On y va? Allez, je vous laisse quelques secondes pour calculer cette cote, les amis, que je ne dites rien. L'AC Milan qui remporte la Ligue des Champions, plus la cote de Messi qui termine meilleur buteur de la Ligue 1, moins Vinicius qui termine meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Il y a deux mecs devant, t'as joué la ligne devant lui. La Vinicius meilleur buteur à l'effet. Non, mais il y a 3. C'est bon? Est-ce qu'on a un chiffre à droite et à gauche? Je vous laisse calculer. Ouais. Tim Gilbert, est-ce qu'on a un chiffre? Ouais, on a un chiffre. Ouais. On a un chiffre, mais bon, c'est pas facile. T'es pas sûr? Non, non, franchement, c'est pas simple. C'est pas simple. Tim Daniel, est-ce qu'on a un chiffre à me donner ou pas? On voit 10. Les gars, à droite? On voit 10, c'est bon. On voit 15 même. 15 même. Okay. À gauche. Tu as envoyé 15. On prend en premier? Vas-y. 20? 15? Ouais. Je vous donne le détail à l'écran. La réponse était 59. L'AC Milan est à 9 pour remporter la Ligue des Champions. Messi, meilleur buteur du championnat, il est très 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 loin. Et il est à 100. Et Vinicius, meilleur buteur de la Ligue des Champions, à
50. On a un peu, ouais, mais si on a sous-estimé. Ouais. Une cote à 50. Ouais. Donc, ce sera bah, la c'est team, à nous, ouais. La c'est team pas grave, c'est pas grave. Il va prendre la main. On s'en fout, ça, c'est juste la main. Ouais, pour tous les jeux. Je salue évidemment tous les on winners. On n'est pas bon en maths ici, nous. Déjà en direct avec nous, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous regarde. Merci pour tous vos messages. Vous mettez un maximum de pouces bleus, les amis, pour soutenir le WSC, c'est important. Et mettre un maximum de likes. On met bien le chrono, hein, s'il vous plaît. commence pas. Non, ouais. Vous mettez le chrono en face t'as le téléphone. J'ai le chrono. 1 minute 30. 1 minute 30. Vas-y, je te fais ça. Donc, 10 questions. Ah, la réponse qu'on vous avez compris le concept? Ouais, ouais. Plus ou moins proche de l'actualité, de l'actualité. Si on passe, on passe. Hein. Ouais. Attends que le. C'est bon, Elton? Je dis ça. Oh, le téléphone marche. Je vais le mettre parce que lui, il est déjà avec un Nokia. Donc. C'est bon, Elton? Non. Non. Ah, ok, d'accord. Il s'est d'accord. Pas d'accord. Ok, Elton. Ouais. Il charge l'application. C'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, il a. Vous êtes prêts? Allez. Fais pas chier. Tu prends la partie 1 ou la partie 2? Quelle salve de questions. Vas-y, une ou la deux. C'est toi, là. Il y en a une plus dure que l'autre. Bon. Musique. Vas-y. On y va. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 derrière Mbappé et Jonathan David? Mbappé. Donc là, on a... Derrière Mbappé et David, hein? Qui est le meilleur buteur de Ligue 1? Ben Yedder. Ben Yedder, mauvaise réponse. Dans quel club joue l'ancien joueur du PFC et buteur face à Dortmund, Silas Wamangituka? Stuttgart. Bonne réponse. Qui est le premier buteur de City lors de Manchester City-Liverpool 4-1 début avril? Le premier buteur de City. Passe. Quelle est la dernière équipe à avoir éliminé le Real Madrid avant les demi-finales de Ligue des Champions? La dernière équipe à avoir éliminé le Real Madrid avant les demi-finales de Ligue des Champions. Ajax. Mauvaise réponse. Quel est le nom de l'entraîneur de l'Estac 3? Kiss Norbo. Bonne réponse. Quel joueur marseillais a marqué lors d'OM Montpellier 1 partout? Mbemba. Mauvaise réponse. Club plus sélection compris. Combien de pénalty a arrêté Mike Maignan sur les 52 qu'il a eu à arrêter? À deux près. 16. Hein? Non, ça c'est des marques. Okay. À deux près. Ah, 33 sur 52. Ouais, ouais. Club plus sélection. Club plus sélection. Combien de pénalty a arrêté Mike Maignan sur les 52? 19. Bonne réponse, t'as tout pile. Derrière Trezeguet, Platini et Cyril Théréau, quel est le quatrième joueur français avoir dépassé la barre des 50 buts marqués en Serie A? C'était au mois d'avril. Redis les trois, s'il te plaît. Il y a Trezeguet, Platini et Théréau qui sont les trois Français à avoir dépassé la barre des 50. Il y en a un qui l'a fait au mois d'avril. Top. Déjà 1 minute 30 ouais. 1 minute 30. Déjà... Même 31 de rapide. C'était Grégoire Defrel. Ah oui, bien vu. On avait le meilleur buteur de Ligue 1 derrière Mbappé et David, c'est Lacazette. Ouais, on est con. C'est Julian Alvarez qui a marqué pour City lors du 4-1. C'est Manchester City qui a éliminé le Real, c'était en 2020. Et puis après, il y avait d'autres questions. Donc, ça fait combien de points? Ça fait 1 point. 2, 3. 2 points. 3 points. 3 points. 3 points, 3 points pour la team Gilbert. Bravo. C'est une belle chance. C'est bien. C'est bien. Regardez, on a fait que ça. Bah ouais. Il me restait encore deux questions à poser. Ah, ok. T'as eu Stuttgart, t'as eu Kiss Norbo et t'as eu 19. Ok. On a eu le dur. Plus ou moins. Le 19, il vaut 2 points, franchement. Je suis en train de statuer sur le 19. Ah oui, c'est que je ne vous ai pas dit, je suis facilement corruptible. Franchement, 19, voilà, un tout pile sur des pénaux. Je peux rajouter un petit point. Okay. On y va? Allez, allons-y. Il y a un point en suspens côté gauche. Non, commence pas. Je suis facilement corruptible. Non, 14h15, tu commences déjà. Non, tu commences. C'est comme ça. Il y a un point en suspens. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il veut un point en suspens parce qu'il a dit 19, un tout pile. Comme il a mis un tout pile, j'ai envie de mettre un petit point. Ici, le tout pile. Du tout pile. On est pas. Je suis un fan de Jean-Luc Reichmann et de la tension à la marque. Le tout pile, il l'a chaté. Ah oui, mais il l'a eu. Non, il savait. Il le savait. On va voir. S'il y a besoin d'un petit point en plus, on le rajoutera. Ouais, d'accord. Super. On y va? Allez. Musique. Ah, faut qu'on mette. Ah, attends. Ouais, excusez-moi. C'est bon, t'es prêt? C'est bon, je vais être prêt. Messi premier et Neymar deuxième. Quel est le meilleur passeur de Ligue 1 hors PSG? Du coup, le troisième meilleur passeur de Ligue 1. Roten. Klos. Bonne réponse. Qui a marqué le plus de buts en première ligue? Mohamed Salah ou Marcus Rashford? Cette année. Salah. Bonne réponse. Quel est le dernier de Liga avec 2 victoires? Elche, bonne réponse. Dans quel club joue le meilleur buteur français de Serie A? Je joue Saint-Etienne. Hein? Dans quoi? Dans quel club joue le meilleur buteur français de Serie A? Je l'ai. Ah, c'est Milan? Non. Quelle est la particularité des 3 buteurs de Rennes face à Reims le 15 avril dernier? C'est des joueurs de foot. Excellent. passe. Quel est le nom étrangers. De... Pardon? Ils sont étrangers. Non. Mauvaise réponse. Ok, on change. Quel est le nom de l'entraîneur de l'AJOCR? Pélissier. Quatre Japonais ont marqué au moins un but cette saison en Ligue 1. Comment s'appelle le buteur japonais de Strasbourg en avril? Moi je sais. Non, passe. Suzuki.
Suzuki. Il a dit passe. Il a dit non, il a dit passe. Non, Sept, bonne réponse. Voilà. Deux joueurs ont marqué un doublé lors de Balnice en conférence. Stop. Mofi. Une trente. Amraoui. Amdaoui. Amdaoui. Non, mais c'est fini. Une trente. Il y a eu l'espace. T'as pas stoppé quand il y a eu l'histoire de Suzuki. Malheureusement, à vous de gérer votre temps. Le pass a été dit avant Suzuki. T'as stoppé quoi, toi, pendant la tournée? Alors, c'est pas possible. C'est pas. On a eu Klaus, on a eu Salah, on a eu LG. Le meilleur buteur. Point compte. Ah non, c'est pour un compte. Ah oui. En fait, ça va être un contrôle continu pendant. Ah d'accord. Ah oui. On aurait pu. Non, le meilleur le buteur. Jeu rangé, c'était fini. Le meilleur buteur français de Serie A, il joue à la Spezia. Enzola. C'est Mbala Enzola. Oui, Enzola, mais j'ai pas osé. Il est français. Il a pas la nationalité. Les trois buteurs de Rennes, ils étaient tous belges. C'était Doku et Théâtre. Ah bah oui, mais tous étrangers. Non, mais c'est vrai. Quoi? Ouais, c'est vrai. Non. Il y a un vide juridique. Ça sur ma feuille. Il y a un vide juridique. Et Thomas, j'ai bien réfléchi. On aurait eu 8. Au 19, pour moi, c'est mérité. Oui, je rajoute le point. Non, mais on est où, Thomas? Allez, on est à Winamax. Bravo. 19 pénalty arrêté par. Ah, donc en fait, c'est décidé, on va se faire voler. En fait, on joue avec l'arbitrage. En fait, c'est Algérie-Cameroun. Non, c'est très bien jusqu'à la mi-temps. Oh, ça y est, Algérie-Cameroun, il commence à paniquer. Thomas, c'est le fils de Byron Moreno. Exactement. Tu l'as retrouvé. Ils ont mis 6. Tu sais, moi, je suis Marseillais. Vous avez 6 bonnes réponses. Ah, bien sûr, tu crois quoi? On n'a pas vérifié quand même, mais je fais confiance à la régie. Et encore, on n'a pas tous démarré. Hein, moi, je. Ah oui, c'est tranquille. C'est bien, bon démarrage, les gars. Allez, c'est parti. 6-4. Pas mal. C'est bien. Point d'écart. Tennis, on est. Et l'objectif aussi de ce coup, c'est de maintenir le suspense le plus longtemps possible. Ah non, nous, l'objectif. Mais ça, c'est pas notre problème, on veut juste gagner. Exactement. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, évidemment. Merci beaucoup, les amis. C'est la team Daniel qui mène 6-4 face à la team Gilbert. Il y a beaucoup de monde. Merci à tous. On voit un maximum de. C'est vrai qu'il y a du monde. Et on passe tout de suite à la passe cachée. C'est parti. Allez. Alors, il y a un homme dont on parle beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Zinedine Zidane. Sera coach de Paris, sera coach de la Juve, bref, on en discutera. Petit jeu, la passe cachée. J'ai dans ma petite casquette Winamax 6 noms, trucs, joueurs, personnages en lien, plus ou moins, étroit avec Zinedine Zidane. Le capitaine va piocher un papier. L'équipe en face a 1 minute. Pour deviner le nom qui figure sur le papier, en posant uniquement des questions où on peut fermer, répondre, oui ou non. Et non. C'est bon ? Sur ça, ils vont être meilleurs. Purée. Le jeu est compris ? Ouais. Compris. Et 2 points par bonne réponse. D'accord. Okay. Combien ? 1 minute ? 1 minute. Okay. Posez un maximum de questions qui se terminent, où on peut répondre oui ou non. Poser des questions tout ensemble. Oui. Gilbert, est-ce que tu veux commencer à faire deviner ou deviner ? En fait, il faut faire des questions. Deviner. Je veux commencer à deviner. Tu veux commencer à deviner ? On est un point d'avance. Daniel, c'est un homme. Je te laisse piocher. C'est un homme. Est-ce que. C'est en rapport plus ou moins étroit avec Zinedine Zidane. Ça peut même être le coup de boule de Zidane. C'est un concept, quoi. Ok. C'est bon ? Ouais. C'est bon. Vous répondez par oui ou par non. Juste. Après, on ne met pas 15 ans pour répondre. On n'a pas vu le papier, mais faites attention quand vous ouvrez. Ok. Oui, on l'a caché, t'inquiète. Qu'on voit partout. Musique, s'il vous plaît, en régie. Vous posez uniquement des questions. Ouais. 1 minute. Oui. Qui a le chrono ? C'est moi. Ok. 1 minute. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un homme ? Oui. Oui. Un joueur ? Non. Un entraîneur ? Non. Un ancien joueur ? Non. Est-ce qu'il est en lien avec Zidane coach ? Non. Avec Zidane joueur ? Non. Oui. Zidane joueur. Un journaliste. Non. Un stade. Non. C'est un moment historique. Non. Un homme d'institution. Non. Un geste technique. Non. Ah, c'est bien vu ça. Est-ce que c'est en lien avec ses cheveux? Non. Bah, j'ai dit que c'était un homme. C'est un homme, d'accord. Est-ce que c'est un dirigeant? Non. Tu l'as déjà dit. Ok. Est-ce que c'est un ancien joueur? Non. Est-ce que c'est étranger à la France? Non. Ça peut n'avoir aucun lien avec le foot. Ouais. Ah, par contre, Thomas. Ouais, c'est, Thomas, c'est non, pour les deux. Non. Okay. C'est pour les deux que je donne cette information. Ok. On va se calmer. Oh, funeste. C'est une marque? Non. C'est une pub? Non. C'est pas facile. Est-ce que c'est une mascotte? Non. C'est quoi? C'est un personnage fictif. Un ami? Non. Quoi? Fictif? Un ami, oui. Un ami, oui. Un ami? Oui. Un agent? Non. 5. Miduga? 4. Migliciano? 3. Non. 2, Bernès, 1, non. Terminé. Allez, Jamel Debbouze. C'est Jamel Debbouze.
putain de merde. Très oui. C'était pas loin. Mm-hmm. Sur l'ami, c'était pas mal. Ouais, l'ami, c'était pas mal. Ah, non, dommage, 30 secondes. Non, je pense qu'ils m'ont fait douter, ouais. Non, question. Putain, mais chier. Fais gaffe en ouvrant, tu leur montres pas. Ouais, tout de suite. Faire joueur. Ouais. Diriger quoi? Dirigeant. Ok, c'est très bon, ça. Attention, hein. Ok. Monde du spectacle. On est prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Non. Un joueur. Une femme? Femme, donc. Non. C'est pas une femme? Non. Donc c'est pas un humain? Non. C'est un personnage fictif? C'est un objet? Non. C'est une paire de crampons? Non. Un stade? Non. C'est pas un objet? Non. C'est en lien avec le foot? Non. 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 C'est une pub? Non. Oui. C'est une pub? Enfin. Oui. Attention, un slogan. C'est une Volvic? Non. Un slogan? Non. Ah, c'est en lien avec Zidane, je suis con. C'est en lien avec Zidane. C'est sa ville, une ville? Non. Generali, Adidas? Non. C'est pas une pub? Un lien avec Zidane, joueur? Oui. Oui, oui. Et c'est pas un humain? Non. Mais c'est pas une ville, c'est... Non, c'est... Non. Un numéro? Non. C'est une religion? Un geste? Non. 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 C'est quoi? Une statue? Non. Une statue, non. C'est en rapport avec Zidane sur le terrain? Un coup de boule? Non. Coup de boule? Non. Non, ça n'a aucun rapport avec lui sur le terrain? Non. Sur le terrain, non. Pas avec un de ses gestes? 5? Non. C'est quelque chose en dehors? 3? Oui. 2? La femme? Non. 1? Terminé. C'était Leader Price. Leader Price. Purée, j'ai fait tout ce fait. Il est tout seul. J'ai fait généraliste, c'était Volvic. Je pensais qu'il allait l'avoir. Ah ouais, Leader. Il n'est pas le roi. On en a parlé en plus de 3 jours. Ah, dommage, c'est parti. Mais j'ai dit, c'est une pub. C'est moi. Il a quand même sorti généraliste. Ouais, par contre, tu l'as dit, Marc. Oui, j'ai dit. Il a fait tout le catalogue de ce qu'il s'est entendu. Il a dit généraliste, Adidas. Je t'ai pas entendu. Volvic. Il a dit, c'est une Volvic. Volvic, il a dit, j'ai dit, c'est fini. Je t'ai pas entendu. Voilà. Allez. Par contre, t'as été très lent dans les réponses. Le chrono est pas prêt. C'était ouais, j'ai... Très lent dans les réponses. Arrête, t'abuses pas. Non. C'est moi qui suis le plus rapide. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Un joueur? Non. Un entraîneur? Oui. Non. C'est pas un joueur? C'est un joueur ou c'est pas un joueur? Êtes-vous d'accord? Un joueur passé. Oui, voilà. Un ancien joueur. Précis. Il a joué avec Zidane? Oui. Dugarry? Il est joué avec Dugarry à Turin. Bonne réponse, Christophe Dugarry. Il l'a trouvé, il l'a trouvé. Christophe Dugarry, bonne réponse. C'était plus simple. C'est voilà, c'était le plus facile. Il y en a des plus simples que d'autres, évidemment. C'est facile. Deux points. Ils ont eu une série juste avant. Deux points pour la team Gilbert. Il y a quand même des points. Parce que je pense que si tu lui dis non, il y a volonté de nous douiller. C'est pour ça, des fois, il faut être. Comment ça, il y a volonté de nous douiller? Ils vont vous rajouter un point. Ok. Facile celui-là? Ah non, c'est de l'intox. Vous êtes prêts? Non. Team Daniel? Très trouvable. Très trouvable. Je reçois des messages, mon père m'envoie les réponses en direct, c'est incroyable. Avale-le. Il est vraiment à l'envers. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Un joueur? Non. C'est un homme? Non. C'est une femme? Non. C'est un objet? Oui. Un ballon? Oui. C'est un lien avec le ballon, donc c'est en rapport avec Zidane et le ballon. Oui. Donc un geste technique. Non, le ballon, c'est le ballon. Ballon d'or. C'est un ballon. Le ballon d'or. Bonne réponse. Flippé. Dilton. J'étais pas dessus. Un ballon d'or. Et oui, c'est pour ça. J'ai tout de suite senti l'intox. Les gars. Comment je l'ai joué? Questions bien orientées. Bravo. Allez, travail d'équipe. Bravo. On a fait un beau travail d'équipe. C'est le dernier. Non, on se calme. Ouais. Non, on se calme. Ça, ils vont avoir, c'est facile. Allez, vous êtes prêts? C'est facile. Un tox. À gauche. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un homme? Oui. Un joueur? Non. Entraîneur? Non. Un dirigeant? Non. Époque Zidane, joueur? Oui. Époque Zidane, coach? Non. Non. Un ami à lui? Non. Un journaliste? Non. Quelqu'un de célèbre? Oui. Sa femme? Non. Attendez, je fais pause. Est-ce qu'on statue tout de suite sur le joueur ou pas? Bah, on l'a dit, joueur. Vous avez répondu quoi? Non, mais parce que tout à l'heure, on a dit que c'était un ancien joueur. Ancien joueur. Il fallait préciser, je l'ai dit. Donc, pour ça, t'as arrêté le chrono. Il a arrêté le chrono. Ancien joueur? Ancien joueur, oui. Okay. Relance-le. Voilà. C'est reparti. Inzaghi? Non. Français? Non. Italien? Non. Européen? Non. Sud-américain? Oui. Ronaldo? Non. Roberto Carlos? Non. T'es pas très loin. Brésil? Brésil? Non. Argentine? Non. Oui. Non, il n'est pas argentin. Non. Uruguay. Oui. Francescoli. Bonne réponse. Bien joué. Tu l'as mis sur un route. Gilbert. Si. Non, t'as dit t'es pas très loin, tu l'as mis sur un route. Deux points en plus. Non, mais ça n'a pas marché. Le dernier. C'est Uruguay, Francescoli? Ouais. Il est uruguayen, Enzo. J'aurais dû dire. Ils allaient dans les Brésiliens. Il dit t'es pas loin. Pas très loin. Okay. Continue les Brésiliens. Ronaldo, tu vois. Il n'y avait plus de Brésiliens proches de Zidane. Alors là, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs, oui. Allez, 3. C'est trouvable. 2.
1, c'est parti. Un homme. Non. Oui, oui. Un homme. Ah oui, oui, oui. Un homme. Joueur. 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 Oui. Ancien joueur. Oui. Oui. Donc il n'est plus en activité. Non. Européen. Oui. Époque Zidane. Non. Non. Néerlandais. Non. Non. Allemand. Non. Non. Il n'est pas époque Zidane. Non. Donc ils se sont jamais croisés sur un terrain. Non. Il a un lien avec Zidane. Oui. 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 Lisa. Non. Il n'a jamais joué avec lui. Ils n'ont jamais joué ensemble. Il est devenu entraîneur non, je sais pas, je sais pas. Mais ils se sont jamais croisés sur un terrain. Non. Mais ils ont un lien. Mais ils ont un lien, donc un lien. Zidane l'admirait, Zidane l'aimait. Non. Non. Joueur espagnol, ancien joueur. Non. Non. C'est un français? Non. Européen? Oui. Anglais? Non. Italien? Tchèque? Non. Oui. Tchèque. Pavel Nedved? Non, tchèque. Les anciens tchèques. 5. Les anciens tchèques. 4. Contre qui il marque? 3. Qui marque le 2 par 2. 1. Poborski. Terminé. C'est terrible parce que c'est rapproché. Hein, en fait, c'est Panenka. C'est Panenka. Ah oui. Et en fait, c'est un En fait, ça n'est pas arrivé. Vous êtes parti, vous êtes fait. Je pense qu'avec 30 secondes de plus, ils peuvent l'avoir. En mode avion, Wally. Oh, je suis en mode avion. C'était Panenka. Donc, on avait le plus dur celui-là. On est revenu là-haut. On va regarder le score. Il y avait donc 6-3. En fait, le truc 6-4, il y avait. Souvenir de ce qu'on a dit. 6-4. Ouais, il y a 8-8. C'est bien, Gilbert. C'est bien. Bon, enfin, théoriquement, il y a 8-7. Non, il y a 8-8, c'est écrit 8-8. Théoriquement, il y a 8-7. Il n'y a pas de théorie, il y a un score. Tu vas appeler VAR ou quoi? Il y a des arbitres qui sont corruptibles, c'est comme ça. Non, mais là, on a eu moins de bol. Les noms étaient pas. Moins de talent, peut-être. Vous avez eu la salle de questions plus facile. Vous avez eu la salle de questions plus facile. Ah, ils ont eu du gars. On y va. Partie très importante dans le quiz. C'est ce qui arrive, c'est les face-à-face. C'est parti. Ah, allez. Alors là, les capitaines auront un rôle très important à jouer. C'est eux qui vont décider qui va à la guerre ou pas. Allez. Ok. Je vous donne les jeux et les thématiques pour mettre votre stratégie en place. Le premier duel, ça sera, vous avez tout joué au tabou. Ouais. Faire deviner quelque chose avec une liste de mots interdits. Il ne faut pas utiliser ces mots pour faire deviner. Ils ont tous un lien, c'est qu'ils étaient invités de l'After ou de Génération After en 2023. Ah. Ok. Ils ont été invités de l'After ou de Génération After en 2023. Il va falloir les faire deviner avec une liste de mots interdits. Ensuite, il y aura, vous avez déjà vu les chiffres des lettres, une rangée de lettres à remettre dans l'ordre pour trouver un joueur avec cette thématique. J'ai au moins 100 sélections avec l'équipe de France féminine. Féminine. Okay. Oh. Ensuite, il y aura une mort subite. Les 20 joueurs les plus capés en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Parce que Benzema... On jouait le plus de matchs. Exactement. Les 20 joueurs, parce que Benzema a battu un record au mois d'avril. Ensuite, on a une compo à trous sur une compo légendaire de Ligue des Champions qui concerne un club français et un club italien. OK. Les CV, ça sera les joueurs français. Donc, il faudra deviner des joueurs quand je vais vous donner les CV. Les CV dans le désordre, c'est les Français sous Thomas Tuchel. Et le sixième duel, ça sera un calcul de cotes, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Donc pour le tabou, il va falloir décider qui vient à mes côtés faire deviner les invités de l'After ou de Génération After qui fait quoi en 2023. Moi, je les connais pas. Daniel, Gilbert, tu as la main, donc tu les suis. J'y vais. D'accord. Je vais sur le tabou. Je vais aller sur le tabou. Donc c'est toi qui me fais deviner. Ouais. Sur Real, je vais te faire deviner. Okay. La compo à trous, je pense. Allez, qui va pour les... On commence par tabou. Tabou, j'y vais. Sofiane, c'est toi qui fais deviner à Tidiani et à Gilbert. Ouais. À droite, qui va faire deviner? Walid, Daniel. Attends, on peut pas réfléchir une petite seconde? Non, parce qu'on va y aller. Qui va y aller pour le tabou? Pour le tabou? Ouais. Le tabou, tu vas sur le tabou, tu vas nous... Ouais, vas-y. Ouais, il va sur le tabou. Alors, Sofiane, viens à mes côtés. Et c'est toi qui vas faire deviner. En gros, le tabou, il va falloir que tu... La salve de... Tu prends la première ou la deuxième? J'ai le droit de choisir. Tu me dis un ou deux? Un. Ok. T'as les mots qui sont là, t'as pas le droit d'utiliser ces mots. Oh, sa race. Ok. C'est quoi la thématique du tabou? Ils sont c'est invités de l'After ou de Génération After en 2023. Tu peux tous les trouver. Ok. Silence à droite, s'il vous plaît. Donc, on y va. C'est. Tu mets le chrono. Elton, tu mets le chrono, s'il vous plaît. Ok. 1 minute 30 pour faire deviner un maximum de noms. Ok. Ok. Quand t'es prêt, Elton, tu me dis. Donc, on rappelle la thématique invité de l'After ou Génération After en 2023. Musique suspense, des face à face. 3, 2, 1, c'est parti. Le Grette. Sanjak. Oui. Maghreb. Technicien. Regragui. Bonne réponse.
Je passe ça. Putain, c'est dur. Johan. Gourcuff. Christian Gourcuff. Merci. Nîmes. Nîmes. Placard. Bourdin. MLS. Bonga. Ah putain, il a tous les mots, cet enfoiré. 14 février. 14 février. Valentin Rongier. Ouais. Oh, c'est fort, bravo. Il a eu tous les 5 joueurs. Allez, ouais, encore 5 sur 5 pour Sofiane et la team. Il joue avec Gilbert Bribois, c'est lui qui calcule les invités. Depuis 15 ans, il calcule les invités, le mec. Alors évidemment, donc après. Le mec a trouvé Valentin Rongier. Daniel, il se voit même pas qu'il est sans Jack. C'était il y a 2 jours. Alors, la particularité, c'est que là, s'il fait 5 sur 5, le duel peut être annulé. D'accord, donc, ouais, donc, ça va être dur d'aller. Score. Ok. Ok. Daniel. Tu vois. C'est toujours la thématique des toujours invités. Les invités. Ouais. Toujours les invités, ils sont là. Donc, tu dois faire deviner les mots en rouge sans utiliser. Les 5 mecs qui sont là. Exactement. Sans utiliser sans ça. Sans utiliser ces mots. Ok. Ok, quand allez, t'es... attends, hop. Musique. Le chrono, s'il te plaît, Sofiane. Ah, pardon. C'est combien de minutes? 1 minute 30. Ok, quand t'es. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Quand t'es pas à la cave, en haut de la maison, il y a quoi? Le grenier, Clément Grenier. Ok. Tu sais comment il s'appelle, mon fils, toi? Il est libéraux, il joue dans le pays sud-américain qui a gagné le plus de Coupes du Monde. Hein? Et il joue sur la Côte d'Azur, un défenseur. Ah, oh, c'est facile. Ah, défenseur, hein, t'as dit défenseur. Non, non, défenseur. Il a dit défenseur, il a dit défenseur. Le club qui marche fort dans le nord de la France, en ce moment. Lens. Ok. Un mec qui joue, il n'y a pas de mots à faire. Donc, y en a il est défenseur. Danso. Medina. Non. Gradit, Gradit. Voilà. Gradit, ah oui, Gradit. Ok. Un club en plein milieu de la France, où il y a des montagnes. Pierre Gastien. Le prénom, le fils. Johan Gastien. Ouais. Non. Le prénom. Le prénom. Il faut. C'est Gastien qu'on a reçu. Oui, mais c'est pas Johan Gastien que t'as reçu. Pascal Gastien. Voilà. Ok, c'est bon. Et le dernier, donc c'est un coach qui s'est pas mal baladé, qui a longtemps été à Nantes, que Kita a viré. Berzakarian. Voilà. Bonne réponse. Voilà, c'est bon. Malheureusement, il y a un mot. De la boulette, j'ai pas dit. Point interdit de sa mère de défenseur. Yes. David défenseur. Putain, c'est facile à deviner dans 2 points pour la team. C'est bien, les gars, c'est bien. C'est bien, bravo, les gars. C'est pas grave. On continue avec les lettres. Qui va gagner là les lettres avec le foot féminin. Foot féminin, Thierry ou Gilbert ou foot féminin, c'est chaud. Il faut remettre dans l'ordre les lettres et Tidiane. Il faut remettre. Ah, donc attends, il faut qu'on complète. Ouais. En fait, tu vas avoir des lettres dans le désordre. Il faut les remettre dans l'ordre. Ok. Daniel y va. Daniel tire-toi. Ouais. Vas-y. On peut t'aider. On peut pas t'aider. Personne souffle par contre. Là c'est. Personne. Gilbert, vas-y. Ça peut être un duel Gilbert Daniel. Allez, vas-y. Qui va? Attendez. Qui va? Allez, vas-y, j'y vais. Allez, Gilbert, Daniel. Ouh, le duel. Daniel face à Gilbert, on va vous envoyer. C'est le premier qui dit. Allez, vas-y. Et dites qui en cours. Il y a 3 manches, okay. Au meilleur des 3 manches. De quoi là, c'est quoi là? C'est les lettres. Ah non, mais non, lui il va sur les féminines. C'est ça, c'est les lettres des féminines. Ok, d'accord. Ça va, Walid. De quoi, Walid? Très bien, Walid. Pour rentrer dans son quiz, Walid. Ce serait. Allez, musique, 3, 2, 1. C'est parti, premier joueuse à deviner. On dit rien. Chut. Badawi. Pardon. Boudaoui. Oh non. Ah non, c'est pas Boudaoui. Non, c'est pas Boudaoui. Boudaoui. Il a eu. Non, je suis désolé. Il a pas notre faute. Mais j'étais comme ça. C'est la régie. Vous regardez. C'est comme ça. Il y a la barre. Daniel, à aucun moment, il la régie, c'est pas notre problème. C'est très largement. Honnêtement, faut annuler ce point. Non, c'est le point. Ah, attends. Ok, merci. Arthur, qui est en régie, vient de me dire Daniel l'a dit avant que je l'affiche. D'accord, merci. Il l'a dit impossible. Dans l'oreille. Ouais, quand il a crié, c'est. Voilà. Mais il l'a dit dans l'oreille. Non, c'est bien que la VAR, ça marche pas. Ah ouais, mais je sais que t'es un anti-VAR. C'est les quiz modernes, Gilbert. Gilbert, c'est les quiz modernes. C'est le football moderne. Ça fait 1 point pour Daniel. Tu peux encore gagner ce duel, Gilbert. Un boisdiste, trop facile en plus. On y va. Vas-y, reste dedans. 2, 1, c'est parti. Bon passeur. Il est devant. Super. Il est devant. On part tous pas, c'est pas grave. Allez, ça va. Il est devant. Tout va se jouer. C'est joué un dixième de seconde. Ouais, mais ça s'est joué quand même. Tout va se jouer sur cette dernière salve de lettres. Allez. Au moins 100 sélections d'équipe de France féminine, c'est parti. Je vais la voir. Ah, joli. Bousselia. Oui. On est là. Voilà.
Moussa Ilia, bonne réponse. Allez. Gilbert qui remporte ce duel. Ils sont dans la machine à laver là. Allez, allez. Pas du tout. Pas du tout. Dans le dur. Deux points. Ne vous inquiétez pas. 12-8, c'est pas grave. Deux points. On avait bien compris l'arbitre, il était pourri. On a bien compris ce qui se passait. Deux points normalement que vous auriez. 12-8, ça fait 12. Ah oui, parce que c'est. Ah ouais, d'accord. Parce que le 12-8, point... ça doit faire 11-8 normalement. Pourquoi j'ai une bonne réponse avec Boadi, moi. Oui, mais c'est mis le plus de points dans la manche, c'est qui remporte le duel. Deux points. Ouais. On continue avec la mort subite. Les 20 joueurs qui ont joué le plus de matchs en Ligue des Champions. Pour le Real Madrid. On a joué le plus de matchs en Ligue des Champions. Pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid. Elton, on a besoin de toi. Oui, j'ai une idée de qui va y aller à droite. C'est maintenant, Elton. Après, la complot à trou. C'est la team Gilbert qui va commencer. Est-ce que c'est eux qui ont gagné la match? C'est les lettres encore pour ça? Non, là, c'est mort subite. Les deux. Qui va à gauche? Un peu plus de qui va sur le Real? Ils sont pas bien là, ça parle un peu trop. Ils sont pas bien sur le choix là. Vas-y, je veux bien essayer. Tid face à Elton. Ouais. Ok. Musique. Allez, toi qui commence, Tid. Ouais. Pas de soufflage, hein. Là-bas, il y a un téléphone. Les 20 joueurs les plus capés. Ah, ça, c'est un jingle, les amis. Ouais. Les 20 joueurs les plus capés en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Je commence. Raoul. Raoul, t'es sûr? Bonne réponse. Sergio Ramos. Sergio Ramos, bonne réponse. Ouais, quatrième. En plus. Quatrième. Raoul, troisième. Modric. Bonne réponse, sixième. Casillas. Premier, bonne réponse. 150 matchs. Hierro. Hierro. Hierro, je l'ai eu. Bonne réponse. 17e, 68 matchs. Marcelo. Marcelo. Bonne réponse. 7e. Carvajal. Carvajal. Beaucoup de blessures, Carvajal. 14e, bonne réponse. Toni Kroos. Toni Kroos. 10e, bonne réponse. C'est un gros duel. Est-ce que Benzema était cité? Ah non, Benzema, c'est... Benzema compte pas parce que c'est le pavillon témoin, puisque c'est, il a battu le record. D'accord. C'est le pourquoi du quiz. Ouais. Et je l'ai dit tout à l'heure. Allez. Sanchis. Sanchis. T'es sûr? Sauf que je suis sur tes lèvres, hein, tout à l'heure. Je le dis. Sanchis n'est pas une bonne réponse. Il faut que Elton valide. Calme-toi, tu te calmes. Parce que c'est Tidiani qui a commencé. Penalty de la gagne. Elton, il y a deux points à marquer sur une réponse. Là, tu vas me donner. C'est un monstre. Casemiro. Casemiro est une bonne réponse. Victoire de la team Daniel dans ce duel. Pas, on va pas tout gagner. Allez, évident. Casemiro. Non, bah, ça on savait. Ça on savait. On a envoyé la carte Joker. Il a voulu faire le malin. Il restait Robert. On joue pas au chiffre et lettres sur Bon Pastor. Les points, un dixième de seconde. Non, ça se joue pas au chrono. Il restait Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo qui n'a pas été dit. Oui, je l'ai gardé. Guti, Varane, Elguera, Salgado. Pepe, Isco, Figo et Morientes. Voilà. Isco. Eh oui, punaise. Parce que les bouts de match comptaient. Ouais. Il fallait avoir été sur le terrain. Isco, jamais. La compo à trous, compo légendaire qui a un lien avec l'actu du mois d'avril parce que ça concerne directement un club en Ligue des Champions. Compo légendaire. Il y a 4 joueurs à deviner. Allez, je vous donne un indice. Peut-être que c'est une mauvaise stratégie de la team d'année, mais c'est un club italien. Italien. À deviner. Assez vieux. Une compo vieille. Mais qu'on a tous en tête. Voilà, évidemment. Qui va chez eux? Ben, on va voir. Moi, j'y vais. Ok, vas-y, Elton. J'y vais. Ouais. Moi, je fais les CV et le calcul de... Alors, vous connaissez la règle, il y a 5 trous. Le premier qui me donne le max de réponses gagne ce duel. On envoie la musique. Scrivelli, tu dis Scrivelli. Et là, Daniel va avoir... C'est quoi le match? Daniel va avoir beaucoup de regrets quand on va afficher la compo. La compo du Milan face à l'OM en 93. Oh, putain. Vas-y, envoie. Richard... Non, il est... Envoie. Putain, ouais, je les ai pas, moi. Papin. Il est remplaçant. Envoie. Guit. Non. Envoie. Tassotti. Bonne réponse. Ouais. Envoie encore. Costa Curta. Bonne réponse. Envoie encore. Costa Curta. Attends, c'est qui Albertini. Bonne réponse. Oh, allez, c'est bon, c'est bravo, bon. Bravo. Il pourra pas faire mieux. Franchement, j'en avais. Merci. J'en avais pas. Mon pote. Daniel, t'as les autres. C'est qui à côté de Van Basten? Massaro. Bonne réponse. Et de l'autre côté, là, attends. Evani. Lentini. Ah, Lentini. Gigi Lentini, oui, bien sûr. Le Milan. Je pensais que ça allait être Milan-Lyon. Moi aussi. On a tous pensé à la même chose. J'ai dit vieux. Ah ouais, bien sûr. Milan qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Bravo, Elton. 12 partout. Merci, tu nous as remis à... Allez. C'est pas mal. C'est Kevin Durand qui, voilà, Les CV. Allez, les Français sous Thomas Tuchel. J'y suis. Il reste combien de... Il reste deux duels. Les CV et le calcul de cotes. Gilbert, tu veux essayer le CV? Les CV sous Thomas... C'est quoi les Français? Les Français sous Thomas Tuchel. Donc, je vous donne les CV de ces joueurs dans le désordre. Parce que tu peux le battre. Il faut les pour les CV, il n'est pas excellent. Allez, j'en suis.
Gilbert face à Walid. Ouais, pas de soufflage. Et c'est qui va aux cotes après? Donc c'est les Francs. C'est toi qui vas faire les cotes? Ah ouais. Aïe. Moi je vais sur les cotes aussi après. Et Walid, donc. C'était pas si mauvais que ça. Allez. Les cotes. On y va. Donc on va mettre la musique. Les Français qui ont joué sous Thomas Tuchel. Je vous donne leur CV. Il y en a trois. Et qui m'en donne le plus. CV dans le désordre. Ouais, dans le désordre. Hoffenheim. Nice. Bruges. Et le PSG. Hoffenheim. Nice. Nice, Hoffenheim, PSG, Bruges. Il a joué quelques matchs sous Thomas Tuchel. Ensoki ? Stanley Ensoki. Oh putain. Stanley Ensoki. Dans le désordre. Je reconnais là le. Dans le désordre. Ouais, c'est dans le désordre. Ensoki, il est au PSG quand Tuchel est là. Il est encore là. Première saison de Tuchel. C'est dans le désordre, hein, je rappelle bien. On enchaîne avec le deuxième. On parle de joueurs de foot. Hein. Et des joueurs de foot. Respectons tous les footballs, monsieur Brivois. On y va. Stoke City. Choupo-Moting. Donc je laisse là, ça, il n'y a que Gilbert qui peut répondre maintenant, c'est une mauvaise réponse. Ok. Stoke City, Everton, Chelsea, West Ham et Saint-Etienne. Stoke City, Everton, Chelsea, West Ham et Saint-Etienne. On recoller les bouts là, c'est... Je peux reprendre? Pas qu'il n'a pas répondu, non. Putain. Ouais, moi je l'ai pas. Moi je l'ai pas. Stoke City, West Ham. Stoke City, Everton, Chelsea, West Ham, Saint-Etienne. Cabaye. Non. Mauvaise réponse. Cœur Douma. Cœur Douma. Voilà. C'est victoire de Walid dans ce duel. Le dernier c'était Areola. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout se passe bien. Tout se passe bien et tout va se passer comme prévu. Ah, bah, il voulait du suspense. On peut remettre le score, s'il vous plaît. 14-12. 14-12, il y a un peu. On va donner le suspense avec mon pasteur. Et Boadi. 14-12 pour la team Daniel. Le dernier duel, le calcul de code, c'est qui y va? C'est moi. Walid face à Tim. Il en a fait combien là? Tout le monde en a fait deux. Ah, ok, ok. Non, non, je t'inquiète. Non, c'est deux. Deux duels chacun. Ouais. D'accord. On y va? Allez. Dernier duel de ce quiz, on y va. Vous calculez. Ça. La France qui gagne l'Euro 2024, plus la Juventus qui gagne la Ligue Europa, moins Lens champion hors PSG. Attention, champion hors PSG. C'est des codes qui sont disponibles sur le site Winamax. C'est pas Lens champion, c'est Lens champion en dehors du PSG. La France gagne l'Euro 2024, plus la Juve qui gagne la Ligue Europa, moins Lens champion hors PSG. Qui répond en premier? Moi, je peux te le dire dans l'oreille? Il me le dit dans l'oreille. Parce que oui, c'est facile après de s'ajuster, on connaît. Vous avez une réponse à me donner, monsieur Acharchon? T'es sûr de toi? Nous, on peut l'aider? Non. Non, non. Ah, non, pas trop, non, c'est plus un duel. Pas trop, trop. Ok. Tid, tu peux me donner ta réponse comme ça, t'as pas besoin de te lever. 5. 5. J'ai 6, 6. Ouah, ça race. En dessous de 5, s'il te plaît. La réponse, 6. Oui. Victoire de Walid. C'est pas mal. Bien joué. Tu t'es bien battu. Tu peux pas faire mieux. Ouais, deux bonnes réponses. 16-12 pour la team. On a pris une drill là. Vous vous souvenez le moment dans la journée où il y a eu 12-8? C'est ils ont mis 12 points. Et après, ça s'est arrêté. Attendons la mi-temps, messieurs. Ouais, attendons la mi-temps. Donc pendant que nous, on a fait x2. Ils sont pas bons. Allez. Voilà pour le score. Allez, c'est tout de suite, c'est la mi-temps. Ouais, il y a une petite causerie qui doit... Ah, c'est pas fini, là ! Non, non, non. Alors ? Ouais. Va falloir que le capitaine parle, quand même, à son équipe, de l'autre côté. On est dedans. Non, on est bien. Ah, vous êtes bien. C'est la mi-temps. Ensuite, vous êtes bien. C'est la mi-temps. Pourquoi il n'est pas venu, Sofiane ? Ah, je sais pas. Non, il fait CM, là, il fait CM. Il doit sortir des capsules. Il peut se passer plein de choses pendant la mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant la mi-temps ? On se rafraîchit, évidemment. Dans ces petites gourdes, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Ok. Gilbert, tu es mené. Tu vas me choisir une des trois gourdes. Dedans, il y a soit un bonus, soit une question bonus, soit un malus. Ok? Elles sont là. Ouais. Les gourdes d'Igor Tudor. La pharmacie, hein, ouais. La pharmacie d'Igor Tudor. La gourde de la... La gourde de la Russie en 2018. Ouais, mais restons sur le sport. Il y a Georges Incapi, là. La gourde de l'ensemble. Il a pris la gourde de François Béroux. Celle du milieu. Il aura Milton. On y va. Attention. Ah ouais, c'est une pancarte, quoi. Question bonus pour la team Gilbert. Vous pouvez marquer un point en plus. Wow. Mmh. Deux points en plus, pardon. Là, faut pas qu'on prenne le malus. Qui est l'entraîneur de l'ASM Clermont-Auvergne? C'est des questions hors foot. Qui est l'entraîneur, le coach de l'ASM Clermont-Auvergne? Ça a changé il n'y a pas longtemps. Moi, je n'en ai aucune idée.
Et l'entraîneur de l'ASM, clairement Auvergne. Entraîneur charismatique dans le top 14. Ah, le rugby. C'est le mec qui voit meilleur sur le rugby. C'est un mec grisonnant qui tient un peu la gouaille. Il faut que ce soit dur quand même, il faut aller chercher les deux points en plus. Ouais, ils sont peut-être meilleurs sur le rugby. C'est lui, c'est Urios. Christophe Urios, oui, bonne réponse, bravo. Okay. C'est toi qui as trouvé ? Depuis quelques semaines. Non, depuis quelques semaines, c'est Christophe. Ah ouais, d'accord, c'est... en fait c'est midi olympique. En Daniel. Large, Wally. Il y a un... T'as là ? Ouais. Allez, le moins un, il est là. Non, il n'y a pas de moins. Si. Le malus, il est dangereux le malus ? Il n'est pas sorti le malus, et il est là le malus. Mais non. Non. Honnêtement, ça aurait pu être pire, les gars. Il y a que deux points d'écart. Ça va, il y a que deux points. Il y a que deux points. Il y a que deux points. Ça aurait pu être pire. Il y a deux points, c'est un flip. Et tous vos points, vous les avez mis grâce à l'arbitre. C'est quoi cette déchatte? On est mais là, on n'y est pour rien. Faut dire. Allez, faut dire. Rappelle qu'il y a 16-12. On a travaillé pour rien. Un match se joue aussi dans les vestiaires. Non, mais moi, je savais pas qu'il y avait tout ça. En fait, c'est une kermesse. Exactement. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui avait des gâteaux, les crêpes. Bah, la tombola, faut quoi ? C'est quoi la famille ? C'est quoi ? Les mamans viennent à la sortie de l'école. C'est quoi ce jeu-là ? Je pensais que c'était sérieux. Daniel, tu connais Winamax depuis très longtemps ? Non, mais moi, je savais pas ça. Allez. Bah maintenant, faut dire que c'est un moment attendu. Hein, le score inversé. Alors, et maintenant, dans la mi-temps, l'équipe qui est menée, donc toi, Daniel, du coup, t'as la possibilité d'échanger un de tes joueurs, faire un changement, quoi, avec... J'avais de la vie, moi, je garde mon team. Tu gardes ta team? Bah, bien sûr. Voilà. On reste comme ça? Bah, oui. Francesco Totti, on reste avec les cuissons. Très bien. On va continuer, du coup, on va passer... Pas le malin, je te vire, toi. On va passer au Aura Football spécial foot en 2006, c'est parti. Ah. Ouais, yeah. 2006. Alors là, attention, c'est la guerre. C'est ici, souvent, que tous les quiz se jouent. C'est la guerre, on y va, on balance. Ah ouais? Ouais. Je vais vous poser 10 questions de rapidité. N'hésitez pas, je vais mettre de la merde. 10 questions de rapidité, tout le monde répond. Ouais. Ouais. Réponse illimitée. 2006. Le premier qui me donne la bonne réponse, ajuste. Pourquoi 2006 ? Année de création de l'afterfoot, évidemment. Bon, un petit cas d'œil. Donc, question sur le football en 2006, la saison de foot. Ok. C'est tout bon ? Ouais. Okay. Musique, les amis. Hourra football, question de rapidité. Vous envoyez toutes les réponses que vous voulez. Qui termine meilleur buteur de Ligue 1 en 2006 ? Pauleta. Ok, c'est tout de suite. Qui termine quatrième de la poule de Ligue des Champions de Lyon en 2005-2006 ? Stuttgart. Rosenborg. Non. Fiorentina. Non. Celtic. Non. En 2006 ? Qui termine quatrième de la poule de Ligue des Champions ? Pardon ? Non. On voit. Qui termine quatrième ? Werder. Non. 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 En 2006 ? Il y a un joueur français qui joue actuellement là-bas. Hein, ça fait pas partie des 5. Olympiakos. L'Olympiakos. Merci mon pote. Quel est le deuxième club français engagé en Ligue des Champions avec Lyon en 2006 ? Lille. C'est nous. Qui termine deuxième du Ballon d'Or en 2006 ? Attendez. Eto'o. Il met des deux points par deux points. Non, c'est un point. Non, c'est Gerrard. Non. Steven Gerrard. Non. Lampard. Non. Boulet. Cannavaro. Non, Cannavaro et Ballon d'Or qui termine deux. Henri Buffon. Séville remporte la Coupe de l'UEFA en 2006 face à quelle équipe ? Middlesbrough. Les micros sont fermés là-bas ? Ouvrez les micros là-bas. Quel joueur français est titulaire à Middlesbrough ce soir-là ? Que Drue. Voilà, c'est nous. Quels sont les deux joueurs qui portent le numéro 10 lors du célèbre Milan-Lyon 3-1 ? Shevchenko ? Non, numéro 10, Rui Costa ? Rui Costa. Et numéro 10, Malouda. Il le dit avant. Qui l'a dit ? Tidiane, il a dit Malouda. Tidiane, oui. Quelles sont les deux sélections européennes à participer pour la première fois à une Coupe du Monde ? Serbie. Bosnie. Non. En 2006. Serbie, ils n'avaient jamais fait Serbie la Coupe du Monde. République tchèque. Okay. En 2006 ? Oui. Ukraine. Et l'Ukraine. Voilà. La Serbie, ils avaient déjà fait ? Qui est élu meilleur joueur de Première Ligue en 2005-2006 ? Non, pas. Thierry. Torres. Gerrard. Drogba. Bien joué. Dernière question. Quel est le plus gros transfert de la saison 2005-2006 ? Torres. Non. En 2005-2006 ? Ouais. La plus grosse. Essien ? Michael Essien. Bonne réponse, Delphine. Est impressionnant. Oui, c'est 23-18. C'est souvent là, je vous avais dit. Un chapeau. Merde. Bon, ça va. On a limité. Il y a une troisième mi-temps, donc comment rugby ? Il y a quelqu'un qui est en train de tuer le plateau. Non, c'est moi, j'ai rien touché. Un truc qui est tombé, là. Là, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a sabotage quand on est à 3 points d'avance ? Allez, on va terminer ce quiz avec la séance de tir au but, les amis. C'est parti. Voilà.
Non. Bon, là, on choisit les thèmes. Et on s'élance. On a pression. C'est deux points par bonne... C'est deux points par tir. On n'est pas mort. Ouais. Alors, je l'avais expliqué tout à l'heure. Le capitaine, là, va également avoir son rôle à jouer, c'est-à-dire de décider qui va frapper les tirs au but ou non. Il y a deux personnes dans l'équipe qui va tirer deux fois, une personne qui va tirer une fois, parce qu'il y a cinq tirs au but par séance, normalement. Il y a quatre thématiques, je vous les mets à l'écran, je l'ai dit tout à l'heure, le Racing Club de Strasbourg, les ondes françaises en Coupe d'Europe, Michel Platini et les finales de Coupe de France. Récentes ou pas récentes. Attends, en fait... Gilbert, donc j'ai dans ces catégories cinq questions, en fait, vous allez piocher là-dedans. Une catégorie peut être épuisée, et du coup on sera obligé d'aller puiser dans d'autres catégories. Gilbert, tu as gagné la main tout à l'heure avec la cote. Donc là, stratégiquement, on a intérêt à prendre un truc qu'on maîtrise ou un truc. Oui, que tu maîtrises. Bon, c'est mieux. Hein. Strasbourg. Strasbourg pour Gilbert. Donc, tu décides qui va tirer en premier, si tu vas tirer en premier, etc. Il faut aussi préciser que. Les arrêts. Je vais les préciser. Ouais, nous, on a un sens. C'est-à-dire que si je tire en premier, c'est moi qui réponds en premier. Exactement. Tu choisis ce que tu veux. On ne peut pas t'aider. En revanche, dans une séance de tir au but, le gardien peut arrêter le tir au but. Donc, une fois que j'ai fini de poser la question, ils ont 5 secondes. Après, passer 5 secondes, ils peuvent répondre à la question et arrêter ton tir au but. C'est bon ? Très bien. Et s'ils arrêtent, ça ne fait pas de points. Ça nous empêche de marquer. Deux points. Okay. C'est-à-dire, si je ne réponds pas au bout de 5 secondes, c'est ça ? Exactement. Il faut que tu répondes vite, quoi qu'il arrive. Tu prends Michel Platini, Gilbert ? Non, je prends Racing Club de Strasbourg. D'accord. Strasbourg, allez. Allez, il faut deux points, là. Musique, les tirs au but. On y va. Strasbourg, Inter Milan. 8e de finale de Coupe UEFA. Strasbourg s'impose 2-0. Qui est le premier buteur du match ? Zitelli. Pas eu beaucoup d'hésitation. Ouais. Une mauvaise main. Ah bon ? C'est Gérald Batty. Et c'est qui le deuxième ? Gérald. C'était Martins le deuxième. Mais dommage. On y va. Penalty raté. Daniel, qui y va ? Premier tir. Daniel. Daniel va donner l'exemple. Avec Strasbourg ? Non. Il a fait une tête. Non. Michel, on y va. Michel Platini. Contre quelle équipe Michel Platini marque-t-il son dernier coup franc direct en équipe de France ? C'est combien de temps ? Attends qu'ils. Bah là, ils peuvent répondre en face. Ouais. Là, s'ils l'ont, ils peuvent répondre. Le dernier coup franc direct. Ouais. Contre quelle équipe ? Espagne. Espagne. Une mauvaise réponse, tu peux. Tu peux. Tu peux répondre. Bah non. Non. Il peut c'est de la Yougoslavie. Et la Yougoslavie. Alors là. Bravo. C'est fort. Bravo. 16 novembre. Oh, le coup de grâce. Et en fait, je savais pas. J'étais en train de réfléchir. Je savais pas qu'il pouvait répondre. Je réfléchissais. Il peut. Parce que je pensais qu'il tirait et qu'il compterait. Ouais, non, ils peuvent arrêter. Ah, bah heureusement, putain, j'ai failli leur faire un cadeau. Ils peuvent arrêter. Le 16 novembre 1985. Oui. Fait mal ce tir au but. Il a un doublé. Là, c'est Ben Mulder ce soir-là. C'est pas Nenka, je dirais. Et il sauve la peau d'Henri Michel. Qui va tirer à gauche ? Allez, je l'attends. Il n'y a pas beaucoup de convictions. Onde française. Les ondes françaises en Coupe d'Europe. Okay. Donc là, si j'ai la réponse avant, je peux y aller tout de suite. Non, 5 secondes. Non, 5 secondes. À la fin, il faut marquer. Les 5 secondes. De l'intitulé. Il faut que j'essaye. 2014. Mm-hmm. Lyon est éliminé en barrage d'Europa League par l'Astra Giurgiu. Qui est expulsé côté Lyon ? Voilà. Là ? 5, attends. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez répondre. Danick ? Non. Non. Il est expulsé côté Lyon. Il est important celui-là, Sofiane. Ah ouais. Ouais. T'as pas vraiment le droit de le rater. Lyon. Oui. Non. Lyon, Astra, Giurgiu. Lovren. Lovren. C'est au-dessus. Non, il était à 60. Pas Jordan Ferry. C'était Lindsay Rose. Lindsay Rose. Alors franchement, j'en souviens pas. À droite. Moi, j'y vais. Lindsay Rose. Vas-y, tu y vas. Même lui, il s'en souvient pas. Ouais. Walid. J'y vais, renvoie les. Je vois pas qu'il a Platini, Strasbourg, les ondes françaises en Europe, les finales de Coupe de France. Platini, j'ai pas l'air de te souffler. Non. Les ondes françaises en Coupe d'Europe. Bon, on y va. L'OM perd 4-2 contre le Mlada Boleslav au premier tour de Coupe UEFA en 2006-2007. Oui, c'est mythique, c'est mythique. Bah, c'est la honte, hein. C'est mythique. Pourtant, c'est tchèque. Ils me font douter, ces tchèques. Quel joueur marseillais ouvre le score devant 4000 spectateurs ? À Boleslav. 2006-2007. L'OM perd 4-2 en menant 2-1 à la mi-temps. Quel joueur, pardon ? Ouvre le score.
Côté Marseille. Hein. Pour l'OM. Oui, papa, côté Boleslav, j'ai pas non plus été. Non, c'est pas. Mido. Mido. Ouais. En 2006-2007. Non, 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 jamais de la vie. Jamais de la vie. C'était toi, Philou, Maoulida. Ouais. À gauche. Vas-y, Tid, essaye le final, non. Ensemble, avec quoi façon, finale de Coupe de France, les ondes françaises, Strasbourg ou Platini. Tu y aller sur Platini, toi. Ouais, mais je vais plutôt aller sur les finales de Coupe de France. Les finales de Coupe de France, ok. En espérant que ça remonte pas trop loin. Après, non, ça va le temps. Quelle est l'affiche, de la première finale de Coupe de France au Stade de France? Facile, c'est. PSG-Lens. PSG-Lens, bonne réponse. Yes. Bien joué. Gilbert. Les 5 secondes, allez, pas passé, là. J'étais en train de les faire. Elton, vas-y. À droite, qui va tirer? C'est moi. Elton sur. Finale de Coupe de France. Finale de Coupe de France. Qui est le capitaine? Je prends la question dans l'ordre. Ok. Qui est le capitaine de l'AJ Auxerre lors de la première victoire de l'AJ en Coupe de France en 1994? Ah oh ouais, d'accord. Ah ouais, là on est. Ok. 4, 3, 2. Martins? Corentin Martins. Une bonne réponse. J'ai vu donc. Bonne réponse. Bravo. Corentin. Vraiment, il a. Voilà, c'est terminé là, je pense. Ouais. C'est mal engagé. Disons que c'est mal engagé. À gauche, on va terminer. Vas-y, Gilbert. Bon, ben remets-moi du Strasbourg, là, parce que je me suis planté tout à l'heure. Strasbourg, c'est où? C'est là. En 2005, le Racing gagne la Coupe de la Ligue 2-1 face à Caen. Niang ouvre le score. Quel est le second buteur strasbourgeois? Il me semble que c'est Jean-Christophe Devaux. Il me semble que c'est une bonne réponse. Bien joué, Gilbert. 7 points. Passé par Lyon. Frappe incroyable. C'est Michel encore. C'est droit. Ah, vas-y. Bah, Michel. Michel. Après, franchement, je t'ai posé la question la plus dure. Déjà, en 83, il perd la finale de C1 face à Hambourg. Qui est l'unique buteur de la rencontre? Félix Magath. T'es sûr? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Félix Magath. Le dernier tireur à gauche, qui y va? Vas-y, j'y vais, j'y vais. Allez, Sofiane. Avec J'y vais sur les... allez, finale de Coupe de France, on essaye. Finale de Coupe de France. C'est dur. Désolé. Hein. Ah, c'est pas de quoi. Pardon. Olympique de Pantin. Ouais, j'ai mis du vieux et du moins vieux, tu vois. Oui, oui. Quel est le dernier entraîneur à avoir remporté une finale de Coupe de France au Parc des Princes? Wow. Je lis des messages qui sont pas très beaux sur le chat. Sur un soufflage. Ah non, 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 personne n'a soufflé. Hein? Personne n'a soufflé. Qui a soufflé? Personne n'a soufflé. Qui a soufflé? Allez, je tente. Points, c'est je tente Fontaine. C'est 2017. Non, c'est 97. Au Parc des Princes, la dernière finale du Parc des Princes. Ouais. Avec Nice. 97. Ah oui, d'accord. Okay. C'était qui, pardon? Dernier penalty. Moi, j'y vais. On me dit que Daniel a triché sur le chat. Il y a un autre or. On me dit que. Non, ah, Daniel, t'as triché. C'est Daniel. T'as triché, Daniel. Je sais pas. On me dit que c'est Daniel a triché qu'il aurait soufflé à Elton. Alors, ah non. Mais vraiment, il y a un or. Ça, c'est faux. J'ai 400 messages. Vraiment, c'est faux. Sur la compo de Talon de Milan, bien sûr. Moi, on n'a rien dit parce qu'on est réglo. Non, non, sur qui? Je connais mon Daniel, il était comme ça. Il y a des preuves. Alerte triche de Daniel sur Martins. Comportements. Non, non, sur Martins, j'ai dit avant. Non. Alerte triche. Il y a eu des comportements. Non, non, de Daniel sur Martins. Je ne savais même pas. Pas du tout. Il ne l'avait pas, Martins. Franchement, il me disait la chuère. Il me disait là, il disait la chuère. Regardez, regardez. Regardez, on a le message. Un point. Tu peux nous envoyer un point? On enlève un point si tu veux. On enlève un point. On enlève deux points. Allez, deux points. Non, sincèrement, j'ai répondu bien avant. Enlève deux points. Bien avant quoi? Bien avant quoi? Hein? Bien avant qu'il triche? Un éventuel de soufflage, s'il y a eu soufflage. Non, mais encore une fois. Mais enlève deux points. On est grand seigneur. C'est 10 points. À aucun moment, il y a, pour moi, il n'y a pas eu triche. Ah, mais il n'y a pas de triche. Pour moi, c'est parfaitement. Allez, je vous pose la dernière question. Qui va? Moi, j'y vais, moi. Avec Coupe de France. Coupe de France. Lors de la finale 2011-2012, Lyon-Quevilly, qui est l'unique buteur de la rencontre. Oh là. C'est bon. Vas-y, tu te donnes. Attends. 5, la 4, 3. Lissandro. Lissandro Lopez. Pas mal. Dommage. Victoire de la team Daniel. Non. Sur fond de polémique, mais victoire non, quand même. Il y a pas de polémique. Non. Il y a pas de on a été au-dessus. Bravo, les gars. Bravo. C'est des choses. Moi, les gars, juste un truc à vous dire. Bravo, imagine si on avait eu dans les pots, là, si on avait eu score inversé. Vraiment, t'imagines. Heureusement qu'on a eu le bonus. Hein. Vraiment. Daniel, c'est content? T'es content? Une belle victoire? Ah, ça va. Entaché d'une petite. Y a pas la. J'ai oublié la petite. Y a rien du tout. De toute façon, y a toujours des polémiques. Petite irrégularité. C'est toujours la. On quitte le match la tête haute. C'est vrai. Il y a toujours une forme de bassesse humaine. Réaction. Toujours une conférence de presse, petite réaction du capitaine Gilbert. Est-ce que t'as passé un bon moment déjà? C'est le plus important. Alors, je pense que c'était un bon match. Ouais, c'était un bon match. C'était un bon match. C'était un match de haut niveau. L'important, c'est les 3 points. Niveau Ligue des Champions.
points. Là, l'important, c'était pas les 3 points. Ouais. Ouais. C'était les 29 points. Et surtout nous. En même temps, le seul truc, c'est qu'ils ont joué à deux. Ouais. Et surtout nous, on peut quitter le terrain la tête haute. Il n'y a pas de triche. C'est vrai. Et on se donne le droit de poser un recours devant la commission de discipline. Franchement, on revendique nos origines sudistes. Nous, on est du sud. Vous avez triché. Non. Sud. Voilà. Puis, moi, je suis du sud de l'Italie. Toi, t'es sud de l'Algérie ou pas? Mais ce que je vais faire. Toi, t'es sud de quelque chose. Je vais réécouter les bandes. Et s'il y a triche, on mettra l'extrait. On se retrouve tous sur les réseaux. On a une tradition un peu uruguayenne, tous en nous. Exactement, voilà, on a la Grinta. L'Argentine, bon, Uruguay. Sincèrement, monsieur l'arbitre. On n'est pas Brésil, on est Uruguay-Argentine. Monsieur l'arbitre, sur le match, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas photo. Entre Sofiane qui a fait les allers-retours, entre le 138 et le 140, on ne sait pas pourquoi, pour faire le CM, il n'a pas été là pendant tout le quiz, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo. Me permets? Viens, permets-toi. S'il y avait eu Daniel et moi de ce côté et vous quatre en face là, je pense qu'on aurait gagné 50-0 là. Non, je suis pas sûr. Le Oura Football quand même. Le Oura Football sur le point. Non, là, il y a eu du lourd sur un thème. quand même. Peut-être Daniel sur Middlesbrough, nous face à Elton. Ouais, à Middlesbrough, tu aurais sauvé l'honneur sur Middlesbrough. Putain, j'avais que Druy. Mais Middlesbrough, faut le sortir. Ouais. C'est vrai. En tout cas, voilà, merci beaucoup les amis d'avoir été merci avec les amis. Il y a eu beaucoup de monde. La prochaine, on fait chez vous ou pas? Match retour. Match revanche. Bah nous, on n'a pas trop ce genre de concept, mais on peut le refaire le nôtre. Ouais, ancien cuisinier. Exactement. On bricole avec l'ADN after foot. Quand je c'est bon. C'est pas bon. Vintage. Tu peux le refaire. Il y a du vintage. Alors, mais là, les mecs, vous, avant les années 80, vous êtes à la rue complet. Hein. Oui, d'accord. Oui, mais il faut un petit mix quand même. Il faut un mix. Si vous nous invitez, on viendra évidemment. Avec plaisir. On rappelle. On fera un 4 contre 2 au pire. On fera un 4 contre 2 cette fois-ci. Justement. Visiblement, ils s'y tiennent. Ils veulent juste nous casser. Ils veulent nous faire crack. On dirait Djokovic avec la nouvelle génération. Moi, je veux. Les jeunes, ramenez-les-moi là. On rappelle. Taylor Fritz. On rappelle. Rouneux. Et il fait quoi? Il fait ça. Voilà. Il fait crack. On rappelle KO Football Club, le livre de Daniel, toujours disponible. C'est aux éditions Hugo Sport. Voilà, toujours. Donc toujours. Mais il est en rupture tellement ça part. Bah, il y en a encore un. Pas disponible. Il y en a encore un. Mais... ce qu'on va faire, tu vas le dédicacer et on le fera gagner celui-là. C'est quand la prochaine revue, Gilbert? C'est en fin août. Non, c'est le 19 mai. C'est début décembre. Début décembre. Grosso modo. Non, parce que ça, parce que celle-là, elle est bouclée. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut elle est imprimée là dans les jours qui viennent. On peut savoir la thématique de prochaine. Oui, on peut vous le dire en exclusivité. Eh ben, c'est parti. Eh bien, en fait, il y a deux grandes thématiques. C'est les quiz. Non, il y a eu une thématique sur le football est-il moral? En fait, le foot est-il un sport de traître? Sont un quiz qui sont les deux plus grands traîtres de l'histoire du football. Les plus connus des deux plus grands. Figo. Un autre que vous connaissez, mais... Campbell. Fiorez, c'est pas mal quand même. Un Brésilien. Un mec qui a collectionné les clubs ennemis. Un Brésilien. Connu, le plus connu des Brésiliens. Bah oui, ah oui, Arnaud. Traître ultime. Ouais. Milan, Inter. Ouais. Après moi, Campbell, après, pour moi, Campbell, il est très haut. Il se barre chez l'ennemi. Ouais. Campbell, il est très haut quand même. Oui, il est très haut. Donc on a le foot est-il moral? Voilà, et puis un dossier sur la nouvelle vague des coachs. D'accord. Voilà, les nouveaux qui arrivent. Will Steele. Voilà, Digard, l'homme ou Oudin. Aussi vite qu'ils nous ont enthousiasmés. Petite mise à jour sur Digard quand même. Ah ouais, on va réécrire en papier, je crois. Très bien. Et ça tu m'as dit, Gilbert, ça sort le 19 mai. 19 mai, nouvelle revue de l'After. Voilà, merci beaucoup. Il y avait énormément de monde qui nous regardait en live, donc merci beaucoup. Envoyez un maximum de likes pour Gilbert, pour Daniel, évidemment, pour le WFC. Le quiz reviendra très vite, c'est-à-dire le mois prochain, avec de nouveaux invités. On va chercher qui? Je rends mon brassard. Demain, le mag du WFC. Grosse page Bundesliga, je crois. Oui. On parlera de Lens, on parlera Newcastle et Tottenham. Bref, il y a pas mal de petites choses à voir pour revenir sur le week-end foot. Merci Daniel. Merci Thomas pour le quiz. Gilbert, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la régie. Salut. Et à demain, 13h. Ciao, ciao. Salut.
Moi, j'avais vu un film, en fait. On voyait des femmes très formées, etc., avec un corps parfait. Moi, en fait, genre, je me dis dans ma tête, genre, pourquoi je suis pas comme elle ? T'es trop grosse. Ouais, voilà, et toi, t'es trop une planche à pain, donc non. Moi, je suis sûre que la moitié des trucs, moi, c'est faux. Genre, c'est trop parfait pour être vrai, quoi. Ouais. En plus, t'es obligée de regarder parce que sinon, après, tu te sens un peu discriminée par les autres. Ouais, à part, genre. Ouais. Quoi qu'ils en disent, les images ont toujours un impact et dont Léa ne pas subir.